Salut tout le monde, voici un petit aperçu des lectures de ce dimanche. Allez, c'est parti! Point 1, pas besoin d'être fort. Eh oui, le prophète Jérémie s'adresse à un peuple d'Israël qui est en exil. Ils sont loin de chez eux, ils ont vu leur ville détruite et ils sont vraiment découragés. Mais le prophète leur dit, Dieu va vous ramener. Mais pour revenir, il faut marcher et marcher longtemps. Et quoi? Est-ce que c'est seulement les plus forts qui vont pouvoir revenir? Eh ben non, parce que Dieu promet que même le boiteux va revenir. Même la femme enceinte qui a 9 mois, là, qui est presque en train d'accoucher, elle aussi va pouvoir revenir. Et même les aveugles pourront revenir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh ben parfois, on se sent un peu loin de Dieu. Et on est un peu découragé, on se dit, j'y arriverai jamais. Eh ben, si on s'accroche, si on espère en lui, pas besoin de s'appuyer sur nos forces. Lui-même nous ramènera. Point 2. Dieu appelle qui il veut. La deuxième lecture nous parle du fait que Jésus est prêtre, mais un prêtre différent. Parce qu'à l'époque, pour être prêtre, il fallait être soit de la tribu de Lévi, et pour être grand prêtre, il fallait en plus être descendant d'Aaron. Et Jésus est ni l'un ni l'autre. Il est ni de Lévi ni d'Aaron. Et pourtant, on nous dit qu'il est grand prêtre. Il est descendant de David, Jésus. Ça veut dire que Dieu, en fait, il ne regarde pas notre CV pour nous appeler. Il ne regarde pas ça, il ne regarde pas d'où on vient, etc. Non, il appelle qui il a envie. Et puis, Jésus, on dit qu'il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et ça, la plupart du temps, quand on entend ça à la messe, bon, on se dit c'est quoi? Eh bien, Melchisédek, c'était aussi un prêtre différent. Il ne venait pas de la tribu de Lévi. C'est un prêtre qui, en plus, propose à Abraham une alliance à partir d'un sacrifice de pain et de vin. Ça vous rappelle un truc, là? C'est déjà une préfiguration de l'Eucharistie. Point 3, crie vers Dieu. Dans l'évangile, on voit un aveugle qui crie vers Jésus de toutes ses forces et il crie en appelant Jésus « fils de David ». Ça veut dire qu'il a reconnu en Jésus le Messie parce que « fils de David », c'était un titre réservé au Messie. Et c'est étonnant que ce soit un aveugle qui ouvre les yeux sur qui est vraiment Jésus. Et d'ailleurs, c'est pas si étonnant que ça parce que Isaïe, le prophète Isaïe, l'avait dit, l'avait annoncé. Il avait dit « quand viendra le Messie, les aveugles verront ». Et cet aveugle, il crie vers Jésus. Tout le monde l'entend, mais personne ne l'écoute. Pire encore, on lui dit « tais-toi ». Mais Jésus, lui, s'approche de lui. Non seulement il l'a entendu, mais en plus il va l'écouter parce qu'il va lui demander « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et donc, parfois nous aussi, on a l'impression de crier vers Dieu, de lui demander de l'aide, de s'égosiller et qu'il ne nous entend pas, il ne nous écoute pas, mais c'est faux. Il entend et il écoute. Je t'invite à avoir cette espérance. À très vite !